Aujourd'hui, on passe une fois juillet, enfin quand les périodes agricoles le permettent. Et du coup, on enlève toutes les branches qui sont en concurrence et surtout pas tout enlever parce qu'autrement, c'est vraiment la branche qui est trop importante et qui concurrence en fait le tronc, quoi. Pour avoir un arbre équilibré et qui serait quand même quelque part propre en niveau taille pour pouvoir en profiter pour le bois d'œuf plus tard, quoi. Parce que si on laisse une branche ou un mauvais nœud, la planche plus tard, elle aura forcément un trou, hein. Donc voilà. Là, le mois de juillet, on va enlever la branche à droite, là. Et sûrement un petit peu plus haut, de façon à voir les 6 mètres. Les 6 mètres. 6 mètres. Mais en équilibrant au maximum l'arbre, ne pas enlever tout sur un côté et rien sur l'autre, quoi. L'objectif, c'est d'avoir 6 mètres le plus droit possible. Et bon, maintenant, 6 mètres, il y aura un peu plus haut. On essaye toujours d'avoir un peu plus haut, mais je pense que c'était peut-être un peu l'erreur que j'ai voulu mettre en place. De laisser monter les arbres le plus possible et en sachant que le vent, plus on monte rapidement, le vent les casse. On le voit surtout sur le frêne et arrivé à une certaine hauteur, en ayant une croissance assez rapide, un bon coup de vent, on a la tête cassée, quoi.